Eh bien, salut à toutes et à tous, la même compagnie, les 16h, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Les amis, je suis tellement excité, tellement content, tellement hâte de vous retrouver pour ce nouvel épisode que, oui, je fais l'intro sur le chargement. Voilà, le mec, il en a plus rien à péter. Non, mais en tout cas, les gars, 33e épisode de Sons of the Forest et je suis tellement excité de ce nouveau patch, le patch numéro 15, nouvelle mise à jour. Alors les amis, accrochez-vous bien, n'oubliez pas le petit like en ce début d'épisode, bien évidemment, ça permet de soutenir la chaîne et puis moi je suis super content en tout cas de vous retrouver justement pour découvrir avec vous les nouveautés qui pour le coup sont vraiment très 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 intéressantes et je vous le dis, c'est pas ironique, je suis pas déçu de ce qui nous attend et c'est vraiment que de la régalade. Alors, dans un premier temps, je vais quand même vous montrer ce que j'ai fait en off. Ouh là, ça fait longtemps que j'ai pas joué, ça fait bizarre. Je viens de terminer ma première semaine de formation pour ceux qui se demandent et ça s'est super bien passé. Et là je peux vous dire que ça fait bizarre de retourner sur le jeu. Je vois que le piège là-bas a été actionné. Alors j'ai fait donc plusieurs trucs en off. Est-ce que ce serait pas le moment de déjà répondre au titre de l'épisode? Kelvin devient utile. Regardez la nouveauté de ce patch numéro 15. C'est que maintenant on peut lui demander. Alors je sais pas où c'est qu'on fait. Il peut réparer les structures. Déjà il peut réparer les structures, donc ça c'est chouette. Terminer les structures, ça c'était déjà le cas hein. Mais normalement, regardez, maintenir la base. Voilà, maintenir la base. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va tout faire. C'est-à-dire que ça va être l'homme l'homme de chambre, d'accord. C'est-à-dire qu'il va pouvoir remplir tous les stocks, terminer toutes les constructions. Et il peut également aiguiser les murs. Ça c'est un truc qui est vraiment ouf. Donc là je ne l'ai pas parce que je n'ai pas de mur. Mais vous savez, il y a quelque chose de chiant à faire sur ce jeu, c'est ces murs-là. Ces murs défensifs qui sont juste ici. C'est-à-dire que t'as beau placer les bûches, à chaque fois avec ta hache, tu dois, vous savez, à chaque fois scinder les bûches en haut. Faire des trucs un par un, c'est chiant et ça me donne pas envie de faire des murs défensifs. Et bien heureusement que j'en ai pas encore fait davantage, puisque c'est lui maintenant qui va pouvoir les faire. Il va pouvoir, voilà, je vais placer les bûches, les murs, et lui il va faire quoi? Et bien il va casser, tac tac tac, et il va en faire des murs défensifs. Donc voilà les amis, Kelvin devient vraiment utile parce que, pour le coup, vous savez, quand tu fais des stocks, ben, genre là, tout simplement, comment je fais pour quitter? Voilà, là, tu vois, j'ai des stocks, par exemple, de bâtons. Bon, d'accord. Eh ben, je pouvais lui demander jusqu'à présent, maintenant, je pouvais lui demander de me remplir ces trucs-là. Sauf que si, entre-temps, j'avais d'autres rangements, d'autres trucs, ben, il faut à chaque fois que je lui demande de le faire. Eh ben là, maintenant, le fait de lui dire entretenir la base, je crois, maintenir la base, voilà, eh ben, il va tout faire de manière normalement autonome. Et ça c'est une nouveauté de ouf qui donne envie de faire une saison 3. Mais on n'y est pas du tout. On n'y est pas du tout. On va pas du tout faire de saison 3 pour le moment, clairement. Mais voilà, ça c'est vraiment la nouveauté principale de ce patch. Et je peux vous dire que c'est déjà énorme. Voilà, c'est déjà énorme. Est-ce que j'ai une carapace de tortue sur moi? Je n'ai pas de carapace de tortue. C'est dommage. Parce que j'ai un commentaire. Gros big up à toi Laetitia, qui m'a donné une astuce de ouf. Mais on va tester ça encore de toute façon aujourd'hui hein. Vraiment c'est un long épisode. Vous m'avez demandé des longs épisodes. Et eh ben les potos, vous allez être servis. Mais je vais pas spoil. Mais Laetitia en commentaire, elle m'a donné un truc de ouf. Voilà. On est au jour 75, il est 15h19. Alors je vais vous montrer du coup ce que j'ai fait en off. J'ai continué le garage. Il serait temps quand même de continuer le garage. Donc voilà pour le moment à quoi ça ressemble. J'ai pas terminé hein, les murs etc. C'est chiant, mais voilà l'idée, hein. C'est un petit garage à la cool. Alors le problème c'est que ça, je peux pas les poser proprement, c'est-à-dire qu'ils sont balancés par terre. Et si je fais ça, je sens que je vais glitcher. Oh, ah ouais, dans tous les cas tu le fais tomber quoi, ouais. Donc pas moyen, on mettra des ampoules etc, enfin on va vraiment faire ça bien. Des ampoules d'ailleurs je n'en ai pas, mais vous allez voir pourquoi. Oui, je me souviens de ce que j'ai fait encore. En haut j'ai fait une piste de décollage du coup. Hop, j'ai fait un petit escalier. J'ai enlevé le mur incurvé que j'avais fait ici parce que ça rendait pas bien, ça marchait pas. Et donc là j'ai fait une petite piste de décollage pour le deltaplane qu'on pourra prendre juste après puisque on va devoir repartir à l'aventure pendant un petit moment, vous allez le voir, par rapport à ce nouveau patch. Donc voilà, j'ai fait une petite rampe de lancement. Un petit indice d'ailleurs, Laetitia en commentaire, je ne fais que de parler de toi Laetitia, dis donc, m'a donné une astuce pour décoller avec un deltaplane. Et c'est un truc qu'il faudra absolument qu'on essaye. Voilà, c'est un truc qu'il faudra qu'on essaye absolument. J'ai ajouté du coup des nouvelles tyroliennes également. Voilà, ça c'est pour le côté pratique. Hop, ça régale. Là je peux descendre. Hop, ça régale. Et j'ai fait des trucs en bas je crois. Maintenant je me souviens plus. Est-ce que j'ai fait des nouveaux trucs en bas? J'ai ajouté une petite jardinière ici. Voilà, ça régale. Ici mes plantations se cassent parce que tout simplement en coupant du bois. Ah, je sais ce que j'ai fait. Eh oui, j'ai fait un truc de ouf ici les gars. Voilà, je suis assez content.
Enfin, j'ai enfin fait cette purée de tyrolienne pour descendre, enfin surtout pour remonter, parce que descendre c'est pas un problème, mais monter c'était chiant. J'ai enfin fait cette tyrolienne, je me suis cassé la tête, je suis en train de mourir de faim, j'ai mal anticipé mon coup, mais j'ai enfin fait cette tyrolienne qui descend en bas. Voilà, c'était pas forcément facile, j'avoue que j'ai pris des dégâts pour faire ce truc. Par contre j'ai rien à manger là. Attendez, j'ai vraiment rien à manger sur moi là, à part des baies bien sûr. Ah mince, ben attendez, on va du coup remonter puisque c'est le côté pratique. J'entends des mutants, hein, je sais pas si vous les entendez mais ça fait un petit peu peur. En parlant de cannibales, nouveauté également, il y a un nouveau type de cannibale. Voilà, c'est ce genre de dose hein, qui m'est absolument arrivé. Ok, ben c'est pas tout à fait au point, mais je sais pourquoi, et ben j'ai eu beaucoup de chance. Voilà, c'est ce genre de problème que j'ai eu en faisant la tyrolienne les amis. Là j'aurais pu mourir, et là ça aurait été très très chiant. Voilà, là ça aurait été vraiment très très chiant. Est-ce que j'attends de régène avant de sauter? Oui, je vais attendre. Par contre j'ai faim, vraiment, j'ai toujours faim. Ah je suis dans la sauce là les gars, je me suis mis dans une sauce. Aïe 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 aïe, je vais reprendre un médicament quand même. Ok, et je peux pas, je vais manger des baies, j'ai pas le choix les gars. Oh c'est la dèche. C'est la dèche. Je suis désolé hein, pour ce début d'épisode, ça part dans tous les sens. Bref, il y a un nouveau type de cannibale. J'ai vu, vous savez que j'aime pas me spoil. J'aime pas me spoil, mais quand je suis en formation, entre la pause de midi et 2 là, j'avais pas le choix, j'ai regardé. Le nouveau cannibale, c'est une dinguerie. C'est un samouraï le bordel. Enfin voilà, j'en dirai pas plus, je pense qu'on découvrira ensemble en temps et en heure. Mais c'est une dinguerie. J'attends juste de régène un peu et puis je redescends. Comme ça j'en profite pour vous parler des nouveautés en même temps hein. Je peux pas, il faut que je vous montre un truc là. Ils ont ajouté des... Bah si, je peux vous montrer maintenant. Regardez la nouveauté. On attendait ça depuis un bon moment. Enfin moi personnellement j'attendais ça depuis un bon moment. Il faut juste que je trouve parce que je sais pas où c'est. Et bah c'était à mon avis juste là. Un râtelier à lance. Non, ça, c'est pas nouveau. Stockage de... Oh, je sais pas si c'est nouveau. Par contre, stockage de bois de chauffage, ça, c'est nouveau. Alors, j'ai des indigènes et des colosses juste en dessous de moi, mais ils pourront rien me faire de là où je suis, c'est pas grave. Ça, c'est pour mettre le bois de chauffage dessus. Alors, je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça, étant donné qu'on peut déjà stocker le bois de chauffage par terre. Mais bon, pourquoi pas. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, les amis, c'est ici. Portoir d'armes. Et râtelier d'armes, mural, on va pouvoir poser nos armes sur des stands quoi finalement. Et ça, ça c'est chouette. Ça c'est vraiment chouette. Il y a également une nouvelle construction à trouver là comme là. Et pour ça il va falloir qu'on se déplace, n'est-ce pas, en deltaplane à un endroit de la map où on est allé à peu près 10 fois. Hein. Clairement on est allé 10 fois là-bas, c'est une dinguerie, je suis absolument navré pour ça. Je vais essayer d'y aller, si je meurs j'ai trop le seum. C'est bon, bah alors j'ai réussi à glitcher. Ils ont mis des nouveaux types de cadavres aussi sur les arbres. Je me chie dessus. Je sais pas si vous entendez tous les bruits. Allez, là on va essayer de pas mourir. J'ai une technique, hein. Mais je sais pourquoi je redescends. Je sais pourquoi je redescends, à cause d'un bug. Voilà, c'est à cause de ça. Je. Voilà, ça dégage. Et tant pis si je perds du bois. Ça, c'était ma fierté. Il y a des drôles de bruits quand même. Alors, vous entendez plus si vous avez un casque, je pense, mais il y a des drôles de bruits. Bref, c'est à cause de ça que je tombe là, avant. Ouais, j'avais mis en fait un stockage de bois et du coup, j'envoyais, bah oui, le bois que vous avez vu pour là-haut. Et je l'ai pas sorti de nulle part. Donc le bois, je le coupais en bas. J'ai coupé que quelques arbres. Hein. Vous allez voir, c'est pas énorme. J'ai envoyé le bois là-haut, ça se stockait là-dedans et ensuite j'envoyais le bois avec la tyrolienne qui était juste ici. Sauf que. C'était tellement nul que le bois retombait en majorité et cassait les plantations juste ici. Voilà pourquoi les plantations sont cassées, bah c'est tout simplement parce que le bois tombe dessus. Donc voilà, bah j'ai plus de graines de... Ah bah si, mais putain, complètement con ce mec. Graines de mur, c'est ça. Hop, voilà, comme ça on pourra toujours manger. Hop, là c'est pareil, on va replanter les graines de mur juste ici. Je sens qu'il va neiger, je vais dormir, il va neiger, vous allez voir, on va rien comprendre. Donc heureusement que j'ai protégé ici l'aloe vera avec les bâches, mine de rien. Bon là c'est normal, j'ai pas encore replanté, mais là du coup j'avais replanté. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et une dernière chose que j'ai fait en off que je vais quand même vous montrer, mais maintenant est-ce que j'ai quelque chose à manger là? Bien sûr, allez, on mange. On se régale, c'est la régalade. Hop, ça se passe ici, enfin c'est pas non plus incroyable je crois, c'est juste que j'ai mis des stockages ici, les ampoules. Voilà, j'ai mis les ampoules ici. Du coup j'ai pas mis de nourriture, elle est déjà la nourriture. Très bien, bref, les casseroles sont là, donc j'ai pas de casseroles sur moi. Donc si jamais j'en chope,
Et bah ça sera plutôt cool. Alors il y a plein de nouveautés, plein d'améliorations. Évidemment je vais pas vous faire toute la liste parce que c'est vraiment énorme. Moi je vous parle vraiment des nouveautés pour moi qui m'importent le plus, qui me font le plus plaisir. Donc je voulais dire, Kelvin maintenant devient utile. Il y a un nouveau type de cannibale. Ils ont ajouté les porte-armes. Donc que ce soit porte-armes sur eux-mêmes, autoportant comme on dit, ou mural. Bref, je vais pas vous retrouver le machin, c'est trop long les animations, c'est chiant. Voilà, c'est de là. Mais il y a également une autre nouveauté. Maintenant, les nids d'oiseaux, là, et les torches, on peut les mettre sur les arbres. Et d'ailleurs, vous savez quoi? Ah, d'abord, je vais récupérer ça. Est-ce que je peux récupérer le nichoir comme ça ou pas? Ou ça va le casser? Parfait. Maintenant, on peut les mettre sur les arbres. On pouvait pas faire ça avant. Hein. On pouvait pas faire ça avant. Et comme vous pouvez le voir, bah, ça ne fonctionne toujours pas. Voilà, on s'est foutu un petit peu de notre gueule. Ah non, là on peut. Ah, on peut pas faire sur les arbres qu'on veut. D'accord, il y a des arbres où on peut pas. Lui, on peut pas. Et lui, on peut. D'accord. Original, me direz-vous. Parce que moi, je voulais cet arbre en fait. Hein. Bon, bah tant pis, ce sera cet arbre. Mais c'est très bien, comme ça les oiseaux ils pourront s'envoler, regardez. S'envoler. Attends, pas trop non plus, faut que je puisse récupérer les plumes. Hop. Et voilà le travail. Comme vous pouvez le voir, ça. C'est super réaliste. Et on peut également mettre des torches du coup sur les arbres. Et les arbres ne brûleront pas bien évidemment. Mais voilà, avant on pouvait pas mettre les torches. Maintenant on peut, bon je sais pas où c'est. C'est vrai que c'est une galère ces animations. Pour ceux qui ont vu ma vidéo de la veille. Voilà, The Forest, il y avait pas beaucoup d'animations. Mais en même temps c'était pas plus mal. Ouais cet arbre je peux rien faire avec lui mais là je peux. Hop. Mais ça c'est pas mal ça de pouvoir faire ça sur les arbres. Ça va permettre de faire des... Ouais c'est vraiment cool. Ah c'est vraiment chouette. C'est plutôt pas mal. Bon, on va dormir. Attends, on va parler encore des nouveautés. Comme ça, ce sera déjà fait. Il y a des nouveaux points d'intérêt qui ont été ajoutés sur la carte. Il y a des drôles de bruits. Alors, les points d'intérêt, écoutez, moi, je... Je vois pas forcément lesquels sont nouveaux. Tout ce que je sais, c'est que j'ai trop le seum. C'est que, vous vous souvenez, dans le dernier épisode... Non, il y a deux épisodes de cela. Vous voyez la grotte en haut, dans la neige, le lac. Vous savez, il y avait une nouveauté là-bas, il y a une cabane. Donc on y était allé dans cette cabane. Il y avait également une pool party, vous savez. Bah, on peut y retourner parce qu'on peut récupérer là-bas. On peut récupérer là-bas, ne serait-ce pas le plan justement? Non, on peut récupérer une tenue, je crois. Une nouvelle tenue. Bon, pour le coup, je m'en fous, on va pas y aller. On y est déjà allé il y a deux épisodes. Si c'est pour une nouvelle tenue, franchement, on s'en fout. Par contre, on va retourner là-bas. Non mais les bruits c'est impressionnant, hein. Vous inquiétez pas, les monstres peuvent pas venir normalement, hein. je vous le rappelle. Mais voilà, on va retourner là-bas, là où vous voyez les trois grottes. Là-bas il y a un nouveau plan à récupérer, voilà. Je me suis un petit peu spoil, faut pas déconner non plus. Allez, on dort. Ça régale, s'il neige c'est chiant. C'est bon, il neige pas. Eh mais attendez. Ah voilà. Il neige totalement. Voilà, non mais je me disais, mais il n'y a plus les feuilles oranges, l'automne, nanani nanana. Bah voilà, il neige, c'est un régal. Alors, ça va être chiant. On va pas se mentir. Ça va être très très chiant même. Ça va être très très chiant. Bon. Ouais. Oh ta gueule. C'est trop bien fait. C'est trop bien fait, c'est trop chiant. Oh non, depuis quand? Depuis quand? Oh, fait chier. Bon, écoutez, c'est pas, on va boire du soda. Parce qu'on va économiser l'eau quand même qu'on a dans notre gourde. Ah, oh, j'aurais dû remplir la gourde, elle est vide. Oh, j'ai trop le seum. Bon, bah voilà. Ça, c'est une bonne chose de faite. Bon, on va faire un stock. On va prendre des boissons. Des croquants. Voilà, pas trop non plus. Un petit peu de pâte. Et ça devrait me suffire pour le petit voyage qu'on va faire. C'est que ça reste un petit voyage aller-retour, hein, franchement les gars. Pourquoi je parlais de carapace de tortue au début de l'épisode? Eh bien tout simplement parce que Laetitia m'avait dit que nous pouvons, messieurs dames, apparemment décoller avec le deltaplane avec ça, juste ici. Avec ça apparemment on peut décoller avec le deltaplane. Et bon, vous savez, moi maintenant, j'arrive à décoller de n'importe où, même si on n'est pas en hauteur, hein, parce que je suis un PGM, bien sûr, et c'est pour ça que vous allez mettre un like dès maintenant si c'est pas encore fait. Mais on peut utiliser ça, et du coup, c'est plutôt stylé, donc j'aimerais bien l'essayer. Et du coup, ça aurait été pas mal de pouvoir fabriquer ça en bas, là où on va aller, en bas. En bas, là. Alors, je sais plus où c'est qu'on trouve ça maintenant. C'est dans les pièges, de toute façon. C'est dans les pièges, il nous faut... Voilà.
j'aurai tout ce qu'il faut à part la carapace. Donc là, il faudrait en vrai de vrai qu'on se trouve une carapace. J'ai de la ficelle, enfin du fil. Ouais. Ok, bah vous savez ce qu'on va faire. On va partir pour notre expédition. Oh ta gueule. J'ai eu trop peur. Ça m'a fait trop peur. Alors je vais monter. Ah, le problème c'est qu'on va avoir froid, c'est chiant. Salut les girls. Oh attendez, parce que Virginia. Oh c'est beau la neige. En vrai, vous aimez la neige. Moi la neige ça m'avait manqué. Qu'est-ce que tu m'as donné? Tu m'as rien donné, wesh. Alors attends, tu t'es blessé? Oh bichette. Tiens, réchauffe-toi ma pauvre. De rien. C'est beau. C'est beau. Alors ce qu'on va faire du coup. Est-ce que j'ai du bois sur moi? Bah oui, j'ai des bâtons sur moi normalement. Bien sûr, j'en ai même 19. Ok, donc on va décoller. On va partir à, je pense, à la plage en face. Parce que je saurais redécoller de là-bas, d'accord? On va aller là-bas. On va aller à la plage en face. Même si c'est pas notre... Parce que je suis pas sûr qu'il y ait des tortues en fait là-bas. Oh, puis merde, on y va, on s'en fout. De toute façon, on saura redécoller. On va aller tout de suite là où on veut aller, hein. Allez, perdons pas de temps les gars, l'épisode sera assez long comme ça. Donc on va aller à notre nouveau point d'intérêt. Et puis s'il y a des tortues, c'est parfait. On pourra fabriquer le tremplin pour redécoller. Et puis sinon on redécollera à ma façon. Vous inquiétez pas, c'est pas un problème. Et je vous laisse contempler le paysage enneigé maintenant. Magnifique. Et je suis très content de pas être mort en ce début d'épisode, parce que j'ai vraiment cru qu'on allait y passer. Voilà, autant vous dire que j'ai quand même eu des fails en off. Il faut le savoir. Donc là je suis quand même content. Ça fait plaisir. Donc là on va chercher le nouveau plan trouvable. Après il y a plein de nouveautés comme je vous l'ai dit. Mais c'est pas non plus Ajoute un nouvel effet de brouillard à faible altitude. Ok. Genre là maintenant. Mais ça on avait déjà ce truc là où on voit rien. Mais remarque c'est quand même plus joli là. Ouais, peut-être qu'ils ont amélioré ça. C'est très beau là. Eh, on n'est jamais allé là quand il y avait de la neige en fait. Je suis en train de réaliser. Comme quoi on fait bien de se promener. Bon et puis plus tard je vous montrerai quand même des trucs. Enfin on... Ah mais non mais pas du tout. Parce qu'en fait en bas de la tyrolienne, vous savez, il y a un petit étang. Donc j'allais dire on va pêcher du poisson. Mais non, l'étang il a gelé maintenant. C'est du gâchis. Bref. Alors voilà, juste en dessous. Alors ce que je reproche au jeu, c'est ça hein, clairement. Mais heureusement qu'il y a des nouveautés parce que c'est le but. Mais c'est qu'à chaque fois ils font des nouveautés petit à petit aux mêmes endroits qu'on a déjà exploré, genre bah 3 semaines avant quoi. Genre là vous voyez en dessous de nous les 3 grottes. Bah après il y a les nouveaux points d'intérêt qui se sont rajoutés. Ah mais attendez, justement le point vert c'est un nouveau point vert ça. Donc c'est bien là je crois. Mais bref, à chaque fois on retourne tout le temps au même endroit en fait. Ça c'est chiant quoi. Alors qu'ils pourraient vraiment dispatcher au fur et à mesure les nouveautés quoi. Enfin, je veux dire quand ils font des nouveautés qu'ils les mettent à l'opposé quoi. Ce serait plus intéressant que de les mettre au même endroit. Même si ça va de soi, mais enfin je sais pas comment dire. Est-ce que c'est bien là qu'il faut aller? Non, je crois que c'est dans un village. Et là le point vert c'est la fin du jeu. Ça n'a rien à voir. Ouais, là c'est la fin du jeu, c'est pas ça. Il faut qu'on trouve un village. Là-bas il y a un village abandonné. Ouais bah ça... C'est là-bas je crois, c'est plus loin. Ouais. Alors j'espère qu'on trouvera des tortues ici, ce serait vraiment chouette. Bon là pour le moment c'est pas la tortue qu'on veut. C'est un village abandonné. Et ouais c'est frustrant parce que comme dit dans l'avant-dernier épisode, ben on était déjà là en fait. Et on l'avait déjà fait pour la deuxième fois. Là c'est la troisième fois qu'on va retourner dans ces maisons abandonnées là. Je pense que vous vous en rendez compte et je suis désolé de vous proposer ça mais c'est le jeu quoi. C'est le jeu ma pauvre Lucette. Par contre il est où le village là? Ah, il est un tout petit peu plus haut là je crois. Ouais, ça va être par là. Je profite pour remonter un peu histoire de mieux voir. Dans la neige on devrait mieux voir le bois là je pense. Ouais, c'est là. C'est bon, il y a les maisons juste ici. C'est pas mal, c'est joli sous la neige n'empêche. Hop, voilà. Donc ici on y était déjà allé, on avait déjà récupéré je crois même des plans si je dis pas de bêtises. Mais attendez, c'est ça ce qui m'étonne. On avait déjà récupéré des plans ici. On avait récupéré plein de trucs. Est-ce que je peux rentrer genre? Merci.
Bon, au moins on peut récupérer de nouveau de la corde. Mais ouais, on avait déjà. Ah non, c'était pas des plans, on avait récupéré ces vieilles notes. Et. Oh, trop bien! On récupère de la solafite, c'est vrai ça. Et des conserves, allez, let's go, ça régale. Ouais, c'est toujours ça de prix en vrai. Hein. En vrai, c'est toujours ça de prix. Oh. Oh, du tissu, merci. Bon, là, on va pas creuser, comme dit, on s'en fout. Des petites batteries, voilà, voilà, voilà. Des ampoules, voilà. C'est pour ça que c'est bien de les reposer à la base. Comme ça, on peut en récupérer un maximum quand on se promène. C'est pas ici, du coup. J'espère que je me suis pas trompé, pour le coup. Normalement, je me suis pas trompé, c'est par là. Hein. Y a une autre maison? Ouais, y a une autre maison. Ah, mais dans cette maison, je crois qu'il y avait rien. Et maintenant... Et maintenant... Et... Hein? Mais attendez, je suis quand même pas taré. Parce qu'en fait, normalement, ils ont remis un sous-sol. Voilà, c'est tout ce que je sais, ils ont remis un sous-sol. Comme ils l'ont fait au premier village. Souvenez-vous, hein, c'était trop stylé, là, le sous-sol qu'ils ont fait, par contre. On pourrait même se faire une base dedans. J'y avais pensé. Attends, mais on se fout de ma gueule? C'est pas ici? Attendez, bougez pas. Nord. Oh putain. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On va quand même rechecker les maisons. Parce qu'on sait jamais que je suis aveugle. Et c'est pas impossible hein. Là je suis en train de mettre de la neige partout, c'est chiant. Non, c'est clairement pas là. Si c'était dans la première maison, c'est MDR quand même. C'est que je suis vraiment aveugle. Mais c'est pas impossible. Mais non. Y'a que dalle. Ça s'ouvre pas en dessous là. What? Ok, c'est pas là. C'est pas là. Alors on va redécoller. Écoutez, c'est pas grave. On va redécoller tous ensemble. Ah, il me semblait que c'était là. Ah, je suis peut-être allé un petit peu trop loin. Il y a un autre village peut-être. C'est possible. Ah, là où... Ouais. Là, c'était le dernier village. Mais oui. Là, entre, il doit y avoir un autre village. Tout simplement. Ah, je suis teubé. Et dans ce village, on n'avait pas grand-chose jusqu'à présent. C'est pour ça que maintenant, il y a de la nouveauté. Logique, mec. C'est logique. Donc, maintenant, je sais pas où il est, quoi. Mais... C'est ça le bonheur finalement. Je ne sais pas ce que je cherche. Mais on est là. On est là. Ah par contre quand il arrête de neiger c'est parfait. C'est parfait mais c'est pas là. Oh c'est beau. Oh là je sais que vous kiffez là. Là je sais que vous êtes en train d'apprécier. Ah ça c'est beau ça. Voilà moi j'aime pas la neige mais alors là. Oh, mais alors là c'est magnifique. Ah ouais. Vous voyez pas les petites cabanes là? Un petit village non? Moi non plus. Je vois juste un point vert mais c'est la fin du jeu ici. Donc c'est pas là. Et là on se rapproche au niveau des... Des premiers... Enfin des grottes là, les nouvelles grottes. Et puis là on va arriver au premier village abandonné. Mais c'est pas grave, attendez, on va rester par là hein. Si on peut trouver une tortue aussi. Voilà, là. Voilà, là c'est le premier village. D'accord, donc regardez, je vais vous poser là. Donc pour rappel, on va pas tout refouiller. Mais juste en gros, la nouveauté qu'on avait ici c'était que là on pouvait... Merci pour la solafite. Attends, m'étonne-moi ça toi. S'il te plaît, merci. Hein, j'en profite pour récupérer ce que je peux récupérer. Voilà. Voilà, la nouveauté c'est qu'ici il y avait ça. Et ça c'est chouette parce que en vrai de vrai. Alors là on voit pas grand chose. Normalement il n'y avait pas de monstres. Donc ils n'ont pas intérêt à me remettre des monstres. Hein. Voilà, c'est safe. Là on peut se faire une base en vrai. Hein. Si on aménage ça bien, on peut se faire une base en vrai. Tu te mets des petites ampoules. De sorte à ce que ce soit plus jovial. Non mais c'est vrai. C'est vrai ce que je suis en train de dire. Genre un panneau solaire, des ampoules. Et tu te fais une belle base hein. Où c'est que c'est les...
Je suis désolé, je suis nul dans la navigation, j'ai vraiment du mal à me retrouver. Ah voilà, torche murale. Tu mets une... Ah mais on peut pas. Ah si on peut. Voilà. Hein? C'est quand même accueillant. Non, en vrai ça me donnait envie de faire une petite base ici parce que j'avais vu des images sur internet et ça rendait genre super bien. Mais là c'est vrai que ça me fait peur. Allez, redonne-moi ça toi. Voilà. À moi. Allez, on sort. Du coup ouais, faudrait retrouver dans un village abandonné, faudrait retrouver un accès comme ça quoi. Mais je ne comprends pas, c'était vraiment là où j'étais. C'était comme ça, c'était après le petit cours d'eau. Ouais, c'était après le petit cours d'eau, les gars. Je suis quand même pas taré. Alors attendez, est-ce qu'il y a des tortues ou pas? Ça, c'est la question que je me pose. Bon, reste ici, toi. Est-ce qu'il y a des tortues ou pas? Comme ça, on pourra faire le test de Laetitia. Bonjour, monsieur. Vous êtes en piteux état. C'est magnifique. Là, franchement, faut le dire. Mais tu sais qu'en vrai, maintenant, ça me donne envie de me faire une base ici aussi. Hein. Moi, j'ai envie de me faire des bases partout. J'ai vu un truc bouger là-bas. J'ai vu un truc bouger là-bas, mais... Oh, une tortue. Ah non, c'est pas une tortue, ça. C'est un bout de bois. C'est clairement pas une tortue. J'ai trop le seum. Ouais, y a pas de tortue, là. C'est pour ça, y a des plages où y a des tortues et y a des plages où y a pas de tortue. Donc, là, malheureusement... Dans l'os, comme on dit. Alors après, c'est aussi l'hiver. L'hiver, hein. Mais même en été, il n'y a pas de tortue ici. Tu vois, c'est des petits bouts de bois. C'est trop bien fait. J'aime ce jeu. Voilà, vous le savez, je... Juste à contempler, c'est quand même... Malgré, voilà, tout ce qu'on sera tous d'accord hein, avec The Forest, qui est supérieur en, par rapport à pas mal de points. Mais regardez juste ça. Voilà. Juste ça, c'est censé mettre tout le monde d'accord. Les gens, ils vont se foutre de ma gueule, mais c'est vrai. C'est tellement bien fait. Bon. On va retenter. On va redécoller. Alors, attends, comment je faisais? Je décollais par là. Hop. Ah, ça, c'est gênant. Voilà, regarde, Laetitia, j'ai pas besoin de ta technique. Ça régale. Mais merci pour l'astuce, évidemment, quand même. Et on essaiera, dès qu'on aura des tortues, des carapaces, on pourra évidemment redécoller. C'est vrai que c'est plutôt pratique si ça fonctionne, parce que sans effort, ça permet de décoller déjà directement à la hauteur où je suis en fait. Voilà. Ouah, je vole avec les mouettes carrément. Bon, on va rallonger, on va essayer de prendre un maximum d'altitude et d'essayer de trouver ce village, parce que, et c'est vrai ça maintenant que j'y pense, il y avait trois villages. Là, il y en avait un là où on y est. Le deuxième, on y était juste avant. Mais pour moi, il y avait un troisième. C'est vrai que ça fait longtemps que... J'ai trop le seum. J'étais trop gourmand. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ce troisième village. Je sais pas où il est. Comment je vais faire pour décoller là? Oh non. Oh non. J'ai de la compagnie là-bas en plus. Oh non. J'ai trop le seum. Là, je peux décoller, je pense. Bonjour, messieurs. Regardez comment on vole. Oh, j'ai de la chance. Hein. Oh, j'ai de la chance. J'ai cru que ça passerait pas. Hein. Bon. C'est pas tout ça. Mais j'ai perdu énormément d'altitude. Mais vous avez vu, faut pas avoir peur. Hein. Tu cabres en Y. Et ça fonctionne quoi. Donc ouais, vraiment. Le point vert là, c'est la fin du jeu. Donc c'est pas là le nouveau point d'intérêt. Ah, c'est chiant. Et je sais que le village dont il est question, il est juste après ce cours d'eau que vous voyez là. Juste ici là, ce cours d'eau là. Voilà. Donc c'est forcément le village qu'on a vu quoi. À moins qu'il y en a un qui est caché là et j'ai pas fait gaffe quoi parce que je suis bête. C'est vrai que là il y a des chemins. Là, je regarde en dessous de moi, je vois rien quoi. Et c'est pas un des villages du haut, hein. C'est vraiment un village qui est là. C'est vraiment un village abandonné qui est là. Superbe. Non, c'est pas ça non plus. Alors les villages de cannibales ont encore une fois été améliorés. Hein. Il y a plein de nouveaux trucs. Wow, génial. C'est très cosmétique. Hein. On va pas se mentir. Mais pour une saison 3, bien sûr, on regardera tout ça. Hein. Bien sûr, on exploitera à fond Kelvin.
Ouais, mais il est là le village. Putain, mais il y a un blème. C'est pas possible. J'y retourne, les gars. Il y a un blème. C'est pas possible. C'est pas possible autrement. Je suis aveugle. Je suis aveugle. Franchement, il y a moyen que je suis aveugle et que, genre, tout le monde l'a vu, sauf moi, et qu'il suffit de faire ça, genre. Non. Donc c'est pas là. Ça c'est clair et net. On va se reprendre un petit soda. Alors je sais qu'il y a des modes qui permettent, si on met des modes on peut enlever les animations etc. Mais en vrai moi j'ai pas envie de modder le jeu pour enlever les animations. Je me dis voilà, le jeu il est comme ça. Voilà. C'est tellement propre aussi les animations, on va pas se mentir. Bon, c'est clairement dans l'autre hein. C'est clairement dans cette maison là. Putain, mais c'est pas possible, on se fout de notre gueule. C'est peut-être plus loin encore. Non mais c'est là. Non, y a rien là. C'est impressionnant. C'est impressionnant comme je ne comprends pas, parce que j'ai vraiment vu la vidéo entre midi et deux. J'ai vraiment vu la vidéo entre midi et 2, le mec était peut-être un peu plus haut, je sais pas. T'as le nord, c'est à l'est. Non mais les gars Ah, c'est peut-être un village du haut quand même. Oh mon dieu, je suis en train de vous dire de la D depuis tout à l'heure. J'adore. Bah vous me connaissez, je dis souvent de la merde hein. Ah, y'a moyen. Y'a moyen, j'ai un truc qui me revient. J'ai un flash. Voilà, j'ai un flash. Alors en plus tout le monde va être déçu pour le plan de construction qu'on est en train de chercher. Vous allez être certainement déçu, parce que c'est encore un truc très gadget, très visuel, mais surtout très bruyant pour pas grand chose. Mais au moins on l'aura. On est là pour ça les gars. On est là pour ça. Et ouais. Et comme dit, il y a une nouvelle tenue à débloquer. Mais c'est très religieux en fait. Il y a beaucoup de croix etc. Même là, l'objet qu'on va faire, hein, qu'on va trouver, il est également religieux. Alors, enfin religieux, c'est par rapport aux sectes, c'est lié à l'histoire, hein, ça c'est clair. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des histoires de sectes, de mondes parallèles également. Et bon, faut réussir à trouver un lien entre tout ça, mais un jour on comprendra peut-être, qui sait. Ça serait pas mal, parce que j'aime ce jeu, j'aimerais bien que ce soit cohérent jusqu'à la fin. Parce qu'en attendant, The Forest a toujours été très cohérent. Ce serait bien que Sons of the Forest le soit aussi. Parce que c'est vrai qu'ils partent un peu en couille. Enfin, on dirait qu'ils partent en couille, mais je pense que c'est un peu maîtrisé. J'espère. Non, c'est clairement pas là. Hein. C'est clairement pas là que j'imagine. Je pense qu'on peut aller se faire foutre. Soit j'ai oublié la présence d'un village à quelque part. Et c'est ce village en question là. Mais je sais pas où il est. Soit on se fout de ma gueule. Et j'étais peut-être trop concentré sur mon sandwich que sur la localisation du village. Peut-être. Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Faut que je continue de monter un peu pour voir. Voilà. Ah non. C'est clairement pas là et c'est clairement pas... C'est clairement pas le village qui apparaît sous nos yeux. Mais on va y aller quand même. Ce village là, là. C'est pas celui-là. Hein. Mais non, mais ça sert à rien que j'y aille, c'est pas celui-là. Je vais pas y aller. Ça sert à rien, c'est pas celui-là. Je sais que c'est pas celui-là, les gars. Vous savez quoi, je vous fais une coupure. Je vérifie la vidéo et je vous reprends juste après pour voir. Eh bien, re, les amis, en effet, c'est ma première option était la bonne. Hein. C'est que j'ai un petit peu trop été concentré sur mon sandwich que sur la localisation. Puisque les amis, ce n'est pas du tout dans un village qu'on a déjà exploré, mais c'est bel et bien dans ce secteur, et donc là il faut ouvrir l'œil. Il faut juste ouvrir l'œil parce que c'est bel et bien ici. Mais c'est pas dans un des villages déjà explorés. Voilà. C'est une maison qui a pop, et il va falloir la trouver. Voilà, vous me connaissez, j'aime bien les jeux de piste, donc je sais même pas forcément exactement où elle est, mais je sais qu'elle est par là. Donc... Oh, des cannibales. On les voit bien dans la neige, les cannibales. Donc c'est bel et bien après le cours d'eau, hein, comme d'habitude. Depuis tout à l'heure, c'est ce que je me tue à dire. Et il va falloir bien ouvrir l'œil. Terrible.
Terrible, terrible. Mais c'est par là, hein. De toute façon, dans la neige, on est censé quand même voir, frère. Je suis quand même pas débile. Ok. Ok. Là, il y a une cascade d'eau, mais c'est clairement pas là. Oh, mais attendez, c'est par là, là. Attendez, c'est par là. Là, il y a un... Il y a un village cannibale. Ok, superbe. Mais c'est par là. Je peux pas aller plus loin, les gars. C'est complètement con. C'est ici. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est ici, les gars. Je suis mort. C'est impressionnant. Je pense qu'en deltaplane, on peut pas le trouver. Parce que il est là, hein. Il est là, les gars. Non, c'est pas ça. Il est forcément là. Putain, mais... Oh! Attendez, par contre, je viens de découvrir un truc là en bas, là, non? C'est quoi en bas, là? Attendez, je vais me poser là. Hop. Voilà, reste ici, toi. Parfait. Je sais pas si on était déjà là. Oh! Oh! Ça ne sert à rien. Voilà, je viens de trouver un endroit sans aucun intérêt. C'est génial. C'est un bonheur. Bah écoutez, j'avais envie de partager ça avec vous finalement. Voilà. Bon, mais c'est pas grave, il faut qu'on continue à pied. Avec le deltaplane pas trop loin quand même. Parce que les poteaux... Là, il y a des tombes. Les poteaux, c'est par là, les gars. C'est par là. Le mec, il était là, comme ça. C'était par là, frère. Je suis pas fou, ça va me fâcher, ça va me fâcher. C'était près d'une falaise. Comme là quoi. Encore des tombes, superbe. Ça va me fâcher, ça va me tendre. Oh purée de pommes de terre. Alors là mon pote, ça va me fâcher, ça va me tendre. Drôle de bruit. Eh, hey, bon, en tout cas c'est fort parce que au moins tu vois, ils ont bien caché le truc, c'est pas si évident que ça. C'est peut-être moi qui suis complètement teubé. Mais il y a un truc à récupérer ici. Hein. Il y a clairement un truc à récupérer ici. Et c'est pas là. C'est impressionnant. C'est pas en haut. Ouais, pourquoi pas. Ah. J'adore ce qui se passe. Je viens... présentement de voir la vidéo, d'être quasiment sûr de là où c'est, et en fait c'est pas là, et on voit rien en plus. C'est énorme. C'est énorme. C'est légendaire. Bon les amis, c'est ça qu'on aime. Et c'est sur cette vue qu'on va se quitter. Oui, puisque j'ai envie d'en profiter. Et je vous retrouve très vite pour le prochain épisode. Parce que on est samedi. Je vais voir pour essayer de vous sortir le prochain épisode demain. Parce que j'ai bien compris. Et je vous en remercie énormément. Vous kiffez cette série. Et moi je la kiffe. Le problème, je sais que si là on fait tout dans cet épisode et qui dure peut-être une heure ou une heure et demie, au final il faudra attendre la semaine prochaine pour un épisode où je ne sais même pas ce qu'on va faire. Parce que bah, on aura déjà vu les nouveautés. Vous voyez ce que je veux dire? Donc autant arrêter l'épisode maintenant. Dans tous les cas, le prochain épisode, ce sera demain ou dans 2-3 jours, grand maximum, les gars. Promis, je vous sors le prochain épisode super rapidement. Et comme ça, ça régale, tout simplement. Et comme ça, on pourra voir la suite des nouveautés. Parce que justement, les râteliers d'armes, etc., on n'a pas encore fabriqué ce truc. Donc on fera tout ça dans le prochain épisode. Donc je vous retrouve très vite. Et surtout, je compte sur vous pour l'encouragement, pour les likes. Parce que moi, ça me régale. Et on se retrouve très vite. C'est donc pour les prochaines vidéos. C'était Mkolo, plein de bisous sous la neige. Ciao tout le monde.